Hello, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui. Tu dis coucou? Ok. On vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi 11 janvier. Il est 9h20. Et j'aurais bien dormi plus longtemps. Je suis en train de tomber malade. C'est-à-dire que là, je suis vraiment prise au niveau de la gorge. Au niveau des bronches, tu veux un gâteau? D'accord. Viens, on va s'asseoir par contre. On va s'asseoir. Tu veux ça? Ok, bah Sohan, également, vous l'attendez, donc je pense qu'on s'est un petit peu tous refilés nos microbes là. Et bref, la gorge en feu, très encombrée, le nez, tout, donc la nuit a été bof. Non, on va pas prendre le goûter là, bébé. On fout les nerfs. Mais non, bébé, tu vas te mettre sur... C'est assez. On va sur la chaise haute, mon cœur. Non, la chaise haute, Dodo, s'il te plaît. Allez, viens, mon bébé, je vais... Seigneur, je n'ai pas la force de lutter aujourd'hui. Bref, la journée a commencé. Je vais aller prendre un café chaud. Je vais mettre du miel dans mon café. C'est trop bizarre comme truc, mais je vous jure, je vais le faire parce que j'ai mal. Et il faut que je fasse du montage parce que je suis en retard sur le montage de hier. Donc écoutez, c'est parti, let's go. Je vous retrouve, de bas je vais faire du montage, mais Ali m'a gentiment proposé d'aller faire un tour. Donc là c'est ce qu'on va faire. En fait il me faut des cintres, des petites bricoles. Du coup je vais aller les prendre et en même temps je vais voir ce qu'il en est des soldes. Et après je rentrerai faire mon montage du coup. Mais en fait c'est vrai que quand on fait du coup du daily vlog, il va falloir, faut faire du montage soit tous les soirs, soit le lendemain au matin pour pouvoir vous poster dans la foulée. Sauf que hier soir j'ai regardé un film, d'ailleurs il était trop bien, c'était sur Netflix. C'était avec Omar Sy. Et je sais plus comment il s'appelait. Mais franchement, il était trop bien. Je vous le conseille de ouf. C'est dans les films qui viennent d'avoir là les nouveautés. Vous verrez, de toute façon, Omar Sy, il est vraiment très très bien. Il m'a beaucoup ému. J'étais triste à la fin. Du coup, après, j'ai regardé un truc un peu plus joyeux pour ne plus être triste. Voilà. C'est quelque chose que je fais. C'est comme quand je regarde un film d'horreur. Je suis obligée de regarder un truc marrant après pour pas avoir peur. Bah là, c'était pareil parce que le film était vachement triste. Bref, écoutez, on y va. Si je trouve des trucs sympas, je vous montre. Là, je me suis pas maquillée, je me suis pas coiffée. J'ai mis un bonnet pour cacher la misère de mes cheveux. Puis go. Sohan, c'est le genre d'enfant. Il fait tomber son bonnet, il le laisse par terre, il part. Viens ici. Sam, il va t'écouter, ouais. Il va te faire courir. Sohan. Sohan. Il m'ignore. Manger. Bébé. Sohan. T'as pas vu le regard qu'il m'a fait avant? Encore des deux? Manger. Bébé. Sohan. Doudou. Je vais être triste en fait quand elle va aller à l'école, les filles. Je vous jure, c'est vrai. Je pensais que ça irait, mais. Manger. Bébé. Mon bébé d'amour. En fait, je crois que je vais être triste. Hein. Mon amour. Bon, on est rentré, j'ai pas fait des achats de ouf, j'ai pris des cintres, là on en avait 10 pour 2,99€, donc ça je trouve que c'est vraiment plutôt chouette. Pardon le fille, du coup j'en ai pris 30, ce chat est à l'aise. J'ai pris également un portant supplémentaire, parce que j'en avais besoin d'un en plus, pour, en fait j'en prends un pour moi, un pour les filles. On a pris un pantalon à Lidus, c'est uniquement des joggings de cette matière. Et on a pris des sockets. Il y avait une promo dessus. Donc c'était vachement intéressant. Mais alors. Et on a pris des calbars. Voyez-vous, je ne voulais pas forcément vous les montrer. Bref, alors Luffy, qu'est-ce que t'as fait quand on n'était pas là? Le chat est à l'aise. Bref, les enfants rentrent de l'école. Ali est parti les récupérer. Là, ils viennent de rentrer. Moi, je vais aller faire du montage. Regardez qui sort de la douche. Sohan, il a pris une petite douche. Il va pas faire de sieste aujourd'hui. Donc on s'est dit, bon, vu que la... Ah, papa. Oui, mon amour. Et papa, il... Papa, il prend la douche. Après, on va aller faire un tour à Noz. Comme ça, j'ai des yeux tout petits. J'ai pleuré de nerfs. Mais je suis pas dans ma bonne semaine. J'ai super mal au ventre et tout. Et donc, bref, voilà. Mais tout va bien. C'est juste que j'avais beaucoup de choses à faire. Et en fait, dès que j'ai beaucoup de choses à faire, je me sens débordée. J'avais du retard sur plein de choses. Et je me suis sentie débordée. Du coup, Sohan, comme une bolosse, j'ai pleuré. Il vous montre sa voiture. C'est qui ça? C'est Flash McQueen. Flash McQueen. Sohan, il aime beaucoup les voitures de 15. Ça, c'est Dinoco. Et après, moi, je connais pas tous les noms, Sohan. Si c'est pas écrit dessus, je peux pas deviner. Donc, bref, on va aller à... Attends, mon amour. On va aller à...
Je sais pas, il est où l'autre? On va aller à Noz. En fait, je cherche des couvertures, des couettes. Parfum, tout simplement. Du parfum, t'as mis du parfum. Je cherche des couettes et peut-être que là-bas, je vais trouver pas trop cher. Des couettes. Un quad. Swan, il veut des couettes. Il veut un quad. Des couettes. Tu veux un quad? C'est son papa qui lui montre des vidéos de quad. Donc oui, je cherche une couverture. Même il m'en faudrait deux. Donc voilà, si je trouve, tant mieux. Sinon, bon bah, c'est pas grave, j'irai voir une autre fois. Regardez comme il est pesé. Donc là, Ali est parti pour mettre de l'essence. D'habitude, on va jusqu'à Costco parce que là-bas, c'est vraiment moins cher et en plus, c'est de l'excellium. C'est genre, il y a 15 centimes, parfois 20 centimes de différence au litre par rapport à l'essence. Sauf que là, on n'a pas été jusqu'à là-bas parce que c'est pas très très près de la maison. Donc voilà, mais là, je suis équipée en mode grosse doudoune et tout. Je tiens pas le froid. Genre, le froid, ça me rend ouf. Du coup, bonnet, écharpe, énorme doudoune. Je l'ai eu sur Shein. Cette doudoune, elle est trop bien. Elle est hyper longue, elle tient très chaud. Donc ça c'est vraiment vraiment chouette. Et après du coup Ali m'a dit on fait... Le gars il a un sens interdit normal. Ok, on va faire Maxilo d'abord pour voir si on trouve les couvertures. Si on les trouve en fait on n'ira pas à Noz. Mais si on trouve pas on ira voir à Noz. Et puis voilà. Je vous redirai de toute manière si j'ai trouvé ou pas. Bon, je vous retrouve, du coup, je vous ai pas du tout pris un maxilo parce qu'en fait, il y avait grave des arrivages et c'était trop intéressant, donc je suis en mode abruti, j'ai pas sorti la caméra. On a trouvé des couvertures, donc je suis contente. Les prix étaient super abordables. J'avoue que du coup, j'ai pas été à Noz, peut-être que c'est moins cher, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu le même principe dans le sens où c'est des articles à prix vraiment cassé parce que c'est soit des invendus, soit ils appellent ça des trucs dégriffés, je sais plus. Mais en gros, c'est des choses qui sont pas vendues, puis on a aussi des choses de marque d'ailleurs, de bonne qualité et tout, mais à prix... beaucoup beaucoup plus raisonnable. Donc là on a trouvé des couvertures à 12,95€ pour les enfants, du coup c'est ce que j'ai pris. La taille c'est vraiment une taille standard et en fait c'est trop beau, je disais même sans housse de couverture c'est trop beau. Je vais en mettre une parce que bon bah avec les enfants on connaît hein, ça salit très vite et tout, mais franchement très joli. Et j'ai également pris une couverture pour nous qui coûtait 19,95€, mais c'est genre je pense la taille la plus grande et ça valait vachement vachement le coup. Donc bref voilà, là je vais juste aller à Action, en fait il me faut des bricoles, vraiment des petits trucs, et du coup je vais prendre ça là-bas si je trouve, mais je vais à un autre Action parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais à côté de chez moi je trouve pas ce qu'il me faut. Donc là ça va être des trucs bêtes, il me faut une colle forte, vous voyez, de la colle très très forte, il me faut de quoi accrocher des petits cadres, ce genre de choses, c'est à moindre coût, et sinon j'irai prendre à l'unité à Leroy Merlin. Quand j'avais déménagé dans cet appartement, je me rappelle que pour tous ces petits détails, j'avais été à Leroy Merlin, j'avais pris à l'unité et en fait ça revenait vraiment pas cher aussi. Donc là je vais voir. Je vais voir ce que je trouve, ce qu'il y a. Puis écoutez, voilà, on va pas tarder parce que bah après moi je dois récupérer les enfants et aller à bosser. Donc ça va être petite fin de journée tranquille. Bon finalement. Attendez. Finalement, Aline m'a dit on fait quand même un petit tour à Noz pour voir ce qu'il y a. Si jamais je trouve des couvertures moins chères, j'irai me faire rembourser. Je suis une forceuse. Enfin, pas ceux des enfants, je vous montrerai parce qu'ils sont vraiment trop beaux, mais en tout cas, la couverture que j'ai prise pour moi. Bon, je vous retrouve à contre-jour. À Noz, c'était une horreur parce que c'était super mal rangé et en fait, du coup, j'avais trop du mal. J'ai rien compris, j'ai rien regardé. Je suis vite ressortie, je vous jure, je déteste quand c'est mal rangé. Donc là, écoutez, je fais un tour dans un Action qui n'est pas celui où j'ai l'habitude d'être. D'ailleurs, vous devez vous dire qu'en ce moment, je fais vraiment beaucoup d'achats, mais comme je vous ai dit, c'est juste que on est en train de. Pas réaménager mais redécorer et meubler plus ou moins un appartement qui n'est pas celui où je suis actuellement, donc celui de Maurice en fait. Petit à petit je suis en train de m'occuper de ça et c'est pour ça, je suis pas juste une dépensière convulsive. Bon ça y est, on est rentré à la maison, je vais vous montrer ce qu'on a pris là quand j'étais à Action. Viens bébé, je suis tombée dessus genre complètement par hasard. Oui bébé, c'est les petits livres en carton pour les plus petits et ça coûte 79 centimes, et Swan il est tellement heureux de l'avoir. T'es content? Oui. C'est ma queen. Il aime trop car, c'est ce que je vous disais. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Alors regardez-moi cette couverture, elle est trop trop belle. Il y a des petits motifs, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Regardez les dessins, elle est trop belle. Elle nous a coûté que 12,95€, donc pour moi c'est quand même une très bonne affaire. Je vous cache pas, c'est une très bonne affaire. Donc j'en ai pris deux. De base on s'est dit vas-y on en prend trois, mais Naël et Naël elles passent toute leur vie à dormir ensemble en vrai, donc vas-y on en a pris que deux. Et puis on a pris une couverture pour nous, une grosse couette.
qui nous a coûté 19 €. Mais franchement, elle a l'air plutôt bien. Et j'ai regardé du coup pour comparer les prix. Et en fait, 12,95 € là, c'est très très bien pour une couverture. Alors, j'ai pris également Maxilo des lingettes pour Sohan. Elle coûtait 89 centimes, donc c'est un peu moins cher que ce que je prends d'habitude. J'ai pris ça pour Sohan. J'ai pris ça pour Leïna. J'ai pris ça pour Inaya, c'est des petits coloriages. Et j'ai pris ça pour des autres petits enfants, en espérant que ça leur plaise. Donc ça, c'est vraiment des activités à faire. Il y a plein de petites choses. J'ai trouvé ça super sympa. Des petites gommettes et tout. En fait, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Mais je pense que 3 et 4 ans, c'est top ça. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc ça voilà, j'ai pris un lot de petites planches et de grandes planches à découper. Il coûtait pas cher, donc autant prendre le lot. J'ai pris des brosses à dents, un dentifrice, j'ai pris une bombe dorée, une ampoule pour la voiture et de la colle. Les bricoles que je vous disais, c'était vraiment genre ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher en fait en soi à Action. Donc là, je vais aller ranger tout ça. Oh oui, mon amour, t'es content? Oui, moi j'ai un lave-vaisselle à ranger et j'ai une machine aussi à accrocher. Donc je vais m'activer avant d'aller récupérer les filles parce qu'il est déjà 16h05, l'heure de rien. Tu dis ton histoire, bébé? Il y a McQueen. Il y a qui encore? Et ça. Et ça, oui. Et ça. Ça, c'est qui? Ça. Ouais, dis-moi. Ça. C'est McQueen. Il y a Dinoco aussi. Dinoco. Il y a qui encore? Dinoco, il est là. Oui, mon amour. Oui, mon doudou. Le fille qui vient voir ce qu'on a acheté. J'ai galéré, mais j'ai mis la nouvelle couverture. J'en ai profité pour sortir des nouveaux draps qui viennent de Shein. Franchement, trop joli. La couverture, elle est immense. Elle arrive bien jusque là, en fait, dans le drap. C'est jusque là. Et du coup, bref, je suis trop contente. Là, je vais remettre les coussins. Je vais nettoyer un coup et on va goûter. Les enfants sont rentrés de l'école. Attendez, où est-ce qu'elles sont? J'ai des vêtements aussi à étendre, j'ai pas encore fait. On va faire la sortie d'Inès, je serai tout seul avec toi. Non, mon amour, mais toi, parfois, tu vas à des anniversaires, Inès, elle est pas là? Oui, Inès, elle est pas là. J'ai été là, je suis à un seul. Lequel? Celui qui s'est. Mais moi aussi, un seul. Mais Inès commence même pas. Commence même pas. En fait, on peut inviter deux personnes. Avec les parents, il y aura que toi. Et pourquoi je suis dedans, moi? Mon bébé, il mange son goûter. Bon appétit. Ok. Parce que si toi, tu donnes à quelqu'un de l'énergie, de ton temps, de ta sincérité, il faut attendre la même chose en retour. Et si tu n'as pas le même retour, ma chérie, eh ben, arrête de perdre ton temps. Je sais que sur le coup, ça fait mal et tout, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu as du mal à comprendre, mon amour. Mais tu verras avec le temps. Je lui demande, elle me dit oui, on est amis. Mais tu sais, tout ça, c'est pas des choses qui. C'est pas avec les mots. C'est avec les actions que tu vois qui sont tes vrais amis. C'est vraiment avec tes actions. Il y a des gens, t'as même pas besoin de leur parler pour voir que c'est des gens qui t'aiment pour de vrai, tu vois. Regarde, par exemple, je vais prendre un exemple. Poupouina. Tu crois qu'avec Poupouina, on se dit je t'aime toute la journée? Eh ben non. Et pourtant, le jour où il y a un problème, c'est la première personne qui va venir. Le jour où elle a un problème, je serai là pour elle. Tu vois, on ne se dit pas les choses H24, mais on sait qu'on n'a pas besoin de parler. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'elle te dit que c'est ton ami que c'est ton ami. Si elle a des actions qui te le prouvent, c'est que c'est vrai. Je comprends que tu sois triste. Ok, mon ange? Et c'est normal parfois d'être triste et d'être déçue. Hein. Moi, tu sais, il y a plein de fois où je suis déçue, Inaya. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et même à mon âge. Tu vois, parfois, t'es là, tu t'investis beaucoup dans une relation et au final, tu te rends compte que ça valait pas la peine.
Bon, les filles, je vais vous présenter un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Et après, je réponds à la question du jour avec vous. Alors, ce que j'ai reçu, c'est une petite caméra comme ça de surveillance. J'en ai pas besoin ici parce que je suis en appartement. Mais par contre, à l'île Maurice, c'est une maison. Du coup, ça va être hyper utile. Et en fait, quoi qu'il arrive que je sois sur place ou pas, j'aurai accès grâce à mon téléphone. Je pourrai avoir les images et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est une caméra qui se trouve sur Amazon. Je vous aurai mis le lien si jamais pour aller voir. Elle coûte vraiment pas cher, donc vraiment ça vaut trop le coup. Et en plus de ça, elle se recharge toute seule avec le soleil en mode solaire. Vous voyez ça face au soleil, comme ça, ça va la recharger. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la petite caméra. Déjà, tout est très bien emballé. Et on a également tout ce qu'il faut pour venir la fixer. Donc tout se trouve déjà à l'intérieur de cette boîte. Donc on a ça pour mettre la caméra, c'est un support. On a ça également avec encore des petites vis. On a un fil USB également. Et je vais vous montrer comment elle se présente. Ok, d'accord. Hop là. Elle est comme ça. Et du coup, c'est une caméra qu'on peut mettre à l'extérieur sans aucun souci, étant donné que c'est fait pour... Et du coup, on a le système solaire rechargeable, donc ça, c'est génial. Il suffit de la brancher, c'est en dessous. Hop, c'est tout en silicone. Donc, il suffit de le brancher en dessous, c'est très facile. C'est ici, comme ça. Du coup, c'est pour ça, en fait, qu'on a deux supports. On a le support ici pour fixer le panneau solaire. Et on a le support ici pour fixer la petite caméra. Du coup, écoutez, quand elle sera installée, je vous la montrerai un peu plus en détail. Pour l'instant, bah, je ne peux pas faire mieux parce que je ne vais pas l'installer ici. Surtout que ce n'est pas ici que je vais pouvoir l'utiliser. On a un QR code ici également. Du coup, je vais scanner, télécharger l'application pour avoir accès direct sur mon téléphone et jumeler ma petite caméra. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis contente de tout avoir aussi. Ça, c'est un truc en moi. Donc voilà, je vous redis, si jamais vous cherchez une caméra pas trop chère, celle-ci elle est waterproof, elle est solaire, donc ça c'est vraiment trop bien. Et en plus de ça, bah, vous avez accès sur votre téléphone, mais maintenant c'est un peu tous qui le font et je trouve que ça c'est chouette, étant donné qu'on est tout le temps avec nos téléphones. Voilà, ça me rassure quand même de savoir que j'aurai un œil sur la maison malgré que je ne sois pas sur place. Voilà, je voulais absolument vous en parler avant de le ranger dans la valise. Après, en soi, c'est pas une collaboration où je suis payée ou quoi, hein. C'est juste un cadeau qu'ils m'ont fait. Moi, je me suis dit pourquoi pas vous partager avant de le ramener parce que franchement, c'est plutôt top. Et une fois installé, je vous dirai si l'installation était facile. Mais je pense que ça va aller. Je pense que ça va le faire. Donc, bref, voilà, je suis grave contente d'avoir une caméra pour Maurice. J'avoue être hyper dégoûtée parce que je viens de vous faire la question du jour, mais ma caméra a bugué. Je dois absolument racheter une carte mémoire. Du coup, écoutez, je vais vous la refaire. Je vais vous mettre la question juste ici. Alors la question c'est, tu parlais de déménagement il y a quelques temps, est-ce toujours d'actualité? Eh ben non. En fait, je vous en ai parlé un moment parce qu'on était à nouveau dans des recherches de maison cette fois-ci et vraiment en campagne. Donc c'est vraiment la limite de l'Île-de-France et c'était comme ça parce que par rapport au budget, de toute manière, on n'a pas les moyens de vivre dans la ville où on vit actuellement, même si on la trouve vraiment très chouette. Avec Ali, on a décidé de ne pas prendre de crédit par rapport à nos convictions personnelles et religieuses et ça nous limite énormément, vous vous doutez bien. Et quand il faut compter que sur les économies, bah, ça ne nous permet pas du tout d'acheter quelque chose de sympa dans... où on est, genre même un F1, je crois que je pourrais pas dans la ville actuelle où je suis. Mais en s'éloignant énormément, il y avait plein de possibilités. Il y avait des granges déjà semi-aménagées qu'il fallait continuer à retaper, etc. Il y avait d'autres maisons, on en a visité une. Elle était très moche, elle était trop bizarre, mais elle était dans notre budget. Et par contre, ce qui était vraiment chelou, c'est que le jardin, il n'était pas au niveau de la maison. Genre la maison, elle était là. Après, il y avait un accès, genre t'as le voisin ici, et c'était une sorte de... Bah, c'est une petite rue, mais genre vraiment la maison et la maison. Et au fond, genre de la rue, donc vers chez le voisin en fait, on avait une porte avec notre jardin. Donc c'est un jardin qui n'était pas... j'ai jamais vu ça. Mais bref, ça faisait que c'était dans notre budget. Après on a visité une autre et pour le coup voilà, ça s'est pas fait. Mais celle-ci on était plutôt cool, mais en fait ça aurait voulu dire beaucoup de choses. Genre déjà qu'il aurait fallu vivre dans les travaux pendant très longtemps, étant donné qu'on n'aurait pas pu continuer à payer un loyer ici et payer également des travaux parce que ça aurait été des grosses sommes je pense à sortir. Et voilà, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Et il y a eu plein de choses qui font que voilà, ça s'est pas fait. Au final, on est resté dans notre confort de se dire que l'appartement il est neuf, il est sympa, le quartier il est quand même vraiment bien. On a l'école qui est très proche.
On a vraiment toutes les commodités, on va dire, qu'on a besoin. Donc pour l'instant, en tout cas, on va rester ici. Vraiment, je le kiffe, mon appart. Je le kiffe de ouf. Et du coup, j'ai pas envie de partir pour me mettre dans une situation délicate et mettre les enfants dans une situation délicate. Donc pour l'instant, ce sera ici. Et après, on verra un jour, Inch'Allah, je sais pas, je pourrais pas trop vous dire. Mais pour l'instant, on va rester là. Et c'était passé des petites choses aussi... pas au niveau de l'appartement, mais on va dire au niveau de ma ville, qui m'avait un peu saoulée, qui m'avait poussée à me dire vas-y, c'est bon, je pars et tout. Au final, c'est des choses qui se sont arrangées et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit allez, on va rester là, je vais pas me mettre dans les problèmes, et voilà, donc pour l'instant, ça n'est plus du tout d'actualité, mais si ça l'est, je vous en reparlerai, et puis on recherchera ensemble et tout, comme on a pu faire dans le passé. Là, j'ai profité de toutes mes commodités, de tous mes trucs qui sont à côté et qui m'arrangent fortement. En fait, j'ai ma belle famille aussi qui est pas loin, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un point très important. J'ai toujours dit, allez, tant que je serai en France, il faut qu'on soit pas trop loin, parce que ça m'arrange trop de me dire qu'ils sont à côté, pour les enfants, même pour passer les moments qu'on passe ensemble et tout. C'est vraiment les personnes que je vois le plus dans ma life en fait, donc voilà. Bref, je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas à me poser votre prochaine question pour la vidéo de demain et j'y répondrai bien évidemment. Tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas, j'y répondrai. Merci beaucoup en fait à celles qui jouent le jeu et qui posent des questions, ça me fait trop plaisir. Bref, je m'arrête ici, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.